Alès, fier d'avoir reçu en 2008 quatre fleurs du jury national des villes et villages fleuris, est la seule ville du Languedoc-Roussillon à être labellisée à ce titre. Suivons donc les traces du jury qui a offert sa quatrième fleur et découvrons les multiples aménagements paysagers. La balade commence par la visite du centre horticole de la ville sur ses 8000 m2, de ses ateliers de production, avec explications techniques concernant les méthodes de multiplication des fleurs et des plantes. Il faut savoir que les jardiniers sont écolos, donc pas d'usage de pesticides, et le désherbage se fait à la main. Afin d'économiser au maximum l'eau, de plus en plus de végétation de type méditerranéenne est utilisée. En Eutecard, nous allons découvrir la ville et ses extérieurs afin de mieux comprendre les aménagements, les décors et thématiques des ronds-points. Chaque rond-point a sa raison d'être et change 4 fois de parure dans l'année au gré des saisons. Le premier que l'on croise en venant du nord ou par la route de Bagnoles est l'aile volante, symbolisant ainsi que par sa végétation le mont Bouquet dont il indique la direction. Celui-là nous rappelle qu'avant, ici, nous traversions des champs d'oliviers. En arrivant par le nord, et poussé par notre vent si célèbre, celui-ci se heurte à une immense haie de cyprès, protégeant le moulin symbolisant le dieu Éole. Thank you.
À ce rond-point, si vous ratez la route d'Avignon, en passant par Uzès et le célèbre pont du Gard, c'est que vous êtes sacrément étourdi. La cabane du pêcheur est censée vous indiquer clairement qu'en empruntant la route de Nîmes, la mer est à l'horizon et pas si loin que ça. Et là, ce rond-point le plus au sud, avec comme thème les bambous, ne vous fait penser à rien? Allez, cherchez un peu. Nous sommes sur la bonne voie pour découvrir la célèbre bambouseraie d'Anduze. Ce rond-point indique clairement avec son jardinier, son puits, ses pieds de tomates et ses blettes que nous arrivons sur la rive verte du Gardon, là où se trouvent les jardins horticoles de la ville, mais aussi la zone des jardins ouvriers et le parc de la Tour Vieille que nous verrons tout à l'heure. Pénétrant dans le centre-ville par l'avenue Carnot, on contourne ce magnifique parterre fleuri. Aussi contempler une cascade artificielle située sur un bac de rétention récupérant les eaux du Gardon lorsque celui-ci devient fou. Le mineur, dos à la mine, descend vers la ville. Il se pourrait qu'il faille faire tourner ce rond-point lorsque l'on abandonnera le nucléaire. Toute la ville n'est que fleurs et parterres. Ici l'entrée du pont Neuf. Là, les halles de l'abbaye. Thank you.
rentrée scolaire qui était au niveau des Prés Saint-Jean. La visite du parc de la Tour Vieille, évocation de son histoire et exploration du jardin composé de plantes méditerranéennes, de graminées et herbacées, où l'on utilise des méthodes de paillage et d'économie d'eau, avec sur place un jardinier de la ville pour vous donner conseils et astuces de jardinage. Bye.